Ja, sehr geehrter Herr Rapenow, sehr geehrte Frau Rapenow, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre, Sie heute Abend hier im Kino begrüßen zu dürfen zu unserer Hommage, die wir Jean-Paul Rapenow gewidmet haben und der im Anschluss seinen neuesten Film Belle Famille hier vorstellen wird. Das ist meines Wissens eine Deutschlandpremiere heute von dem Film. Die Veranstaltung greift auf eine langjährige Kooperation mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft zurück, die wir in den vergangenen Jahren immer wieder ausgerichtet haben, als französische Filmwoche oder in andere Form. Jedes Mal hatten wir auch einen besonderen Ehrengast hier zu Besuch, dem wir eine kleine Hommage gewidmet haben. Das war 2008 Enoch Aimé. Sie war die Einzige, die leider nicht kommen konnte. 2009 hatten wir hier Isabelle Huppert zu Gast, 2012 Carole Bouquet, die auch im Rahmen der Europäischen Kulturtage der EZB hier war. Wie gesagt, es waren alles drei jetzt Schauspielerinnen. Heute haben wir zum ersten Mal einen Mann, Regisseur und Drehbuchautor. Und ich möchte jetzt nochmal ganz herzlich Herrn Rapenow hier begrüßen im Kino. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern bedanken, bei der Deutsch-Französischen Gesellschaft und ganz besonders bei Herrn Braué und bei Herrn Desroches da hinten, ohne die die Veranstaltung heute nicht möglich wäre. Herzlichen Dank. Genau, und auch beim Institut Français, die uns die Filmkopien zur Verfügung gestellt haben. Genau. Ich habe das deswegen vorhin so besonders betont mit der Drehbucharbeit von Herrn Rapenow, weil sie doch ein sehr, sehr wichtiger Teil seiner Arbeit ist. Also er hat sowohl als Drehbuchautor angefangen und auch dort hat er bereits mit großen Namen des französischen Kinos zusammengearbeitet. Sein allererstes Drehbuch hat er für Jacques Becker entwickelt, Drei Musketiere, das Jacques Becker aber leider nicht mehr verfilmen konnte. 1960 schrieb er für Louis Malle das Drehbuch zu Sassy in der Metro, dans le Métro. Für 1964 für Philippe de Broca den Film Abenteuer in Rio mit Jean-Paul Belmondo in der Hauptrolle. Das sind nur einige Beispiele. Aber auch nachdem er sozusagen zur Regie gewechselt hat, hat das Drehbuchschreiben für ihn einen ganz besonderen Stellenwert eingenommen und war für seinen Arbeitsprozess eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Es ging immer um Schreiben, Schreiben. Er hat das Drehbuch immer wieder umgeschrieben, neu geschrieben, Szenen entwickelt und nochmal neu bearbeitet. Und das war für ihn ein langer, großer Prozess und eben ein sehr, sehr, sehr wichtiger Prozess. Dann, er wollte, bevor er den Film sozusagen dreht, dass eigentlich alles wirklich perfekt ist. Den Drehbuchautoren selber hat er dann, den Schauspielern selber hat er dann mehr Freiraum bei ihrer Arbeit eingeräumt und er hat immer wieder mit sehr viel großen Namen des französischen Kinos zusammengearbeitet. Auch hier nur ein paar Beispiele: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Yves Montand, Philippe Noiret, Anne Prochée, Vincent Perret, Juliette Binoche, Mathieu Amalric, heute in dem Film. Und einige haben für ihre Rollen auch wichtige Preise gewonnen. Ich will jetzt gar nicht mehr selber so viel sagen, sondern will lieber sozusagen die anderen zu Wort und Herr Rapenow selber zu Wort kommen lassen. Aber vorher möchte ich noch das Wort geben an Herrn Braué von der Deutsch-Französischen Gesellschaft und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend und eine gute Projektion später. Chère Madame Guicas, sehr geehrte Damen und Herren, chers amis de la société franco-allemande, je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée tout à fait exceptionnelle. Madame Guicas y a déjà fait référence. Nous avons lancé il y a 6 ans les semaines du cinéma français et jusqu'à maintenant, comme Jean-Pierre Rapeneau, nous avions Jean-Paul Rapeneau, nous avions mis les femmes à l'honneur. Nous avons eu 3 grandes actrices, Anouk Aimée, Isabelle Huppert, puis Carole Bouquet. Il était donc très grand temps que nous accueillions un homme et pour la première fois un réalisateur. Et je suis très heureux que nous ayons pu gagner Monsieur Rapneau, qui a signé parmi les plus grandes heures de plaisir du cinéma français. Il a déployé beaucoup
d'attention, de méticulosité à la préparation, ce qui lui vaut d'être l'un des rares à avoir su se maintenir tout en haut de l'affiche pendant 50 ans, chaque film étant un plein succès, et peu de gens pouvant probablement réclamer une telle durée de présence dans les salles avec un tel accueil du public. Le fait que nous ayons pu le gagner, nous le devons à la famille de Roche, et je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir autant entrepris pour que nous puissions vous gagner ici à Francfort. Et je suis également très heureux que nous ayons pu gagner Maren Hilligen, qui est journaliste de la télévision, franco-allemande, parfaitement à l'aise dans la langue française, et qui va donc nous conduire maintenant dans l'entretien où nous espérons pouvoir lever l'un ou l'autre voile sur les secrets de fabrication, sur les secrets qui finalement sont ce qui fait cette production exceptionnelle de Jean-Paul Rappeneau. Je nous souhaite une très belle soirée, et pour entrer dans le vif du sujet, je demande à Monsieur Rappeneau et Maren Hilligen de venir devant. Alors d'ailleurs, comment cela s'est passé? On va parler en français. On va parler en français, justement. Mais est-ce que nous devons traduire à chaque fois? Non, vous, je ne pense pas. Non. Bon. Non, je pense que tout le monde est à l'aise avec la langue française. Bonsoir encore, mesdames et messieurs. Plus tard ce soir, on aura les stars du foot français qui vont apparaître sur les écrans. Mais avant, on est très content de pouvoir accueillir en direct le star du film français qui a créé tout un patrimoine sur les écrans, on va dire. Jean-Paul Rappeneau, c'est un très grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Merci d'être Merci. Venu. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de donner quelques informations, juste en bref, pour ceux qui connaissent peut-être quelques actes de votre carrière. Jean-Paul Rappeneau est né dans une des plus belles régions, on va dire, de la France, à Auxerre, en Bourgogne, en 1932. Et c'est encore là qu'il a développé sa passion pour le film. Et il a commencé sa carrière en tant que co-scénariste, par exemple, pour Philippe de Broca. En 1966, il lance son premier long métrage, La vie de château, avec la grande Catherine Deneuve. Et malgré le grand succès, il ne va pas commencer à faire toute une fabrication de films. Il préfère la qualité à la quantité, on va dire. C'est pourquoi, en 50 ans de cinéma, il réalise 8 longs métrages, avec des longues absences entre-temps, avec plusieurs années entre les projets, mais on va parler de ça juste après, voilà. Pendant les années 70 et 80, il lance 3 films, entre autres avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert et Yves Montand. Et en 1990, Jean-Paul Rappeneau fait un très très grand succès avec Cyrano de Bergerac, incarné par le fameux Gérard Depardieu, qu'on connaît tous. Ce film gagne entre autres un Oscar, un Golden Globe et plusieurs Césars. Et après cela apparaissent encore 3 films. Le dernier s'appelle Belle Famille, c'est le film qu'on va encore voir plus tard ce soir, et bien sûr on va également en parler après. Monsieur Rappeneau, vos films ont tous été des très très grands succès. Quelle est votre recette pour avoir du succès pendant 50 ans dans le monde du cinéma? En bref. Alors écoutez, non, il n'y a pas de recette. Ça serait trop facile si on connaissait la recette pour faire des beaux et grands films. Et chacun la cherche depuis toujours. Et enfin, je ne sais pas comment ça peut se passer dans d'autres pays. En tout cas, je connais bien comment ça se passe en France, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le sort des films, en tout cas le sort public des films, alors qu'on les a préparés, on a travaillé, tout le monde a cru beaucoup aux films avec enthousiasme, les acteurs, tout, et puis voilà que le moment de la sortie arrive. Et en fait, le premier jour de la sortie des films à Paris, il y a une salle qui est au Halles, qui s'appelle le Cité Ciné Les Halles, et qui a une projection à 9h du matin. Donc à 9h du matin, les films qui sortent ce jour-là en France
passe dans cette salle-là à 9h. Et c'est inouï, mais à 9h05, avec le nombre de gens qui y sont entrés, très peu quelquefois d'ailleurs, que 28, 40, on peut prévoir déjà le succès du film. C'est vrai. Mais oui. Et ça n'est jamais démenti. C'est fou. Très bien. Malgré toutes les prédictions, tout le travail, même malgré justement la recherche d'une recette qui pourrait... Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Le public est un être mystérieux pour lequel on travaille dans l'ombre sans savoir comment il nous accueillera. Donc voilà. C'est un miracle qui se fait soi-même, on va dire. Mais... Oui, c'est vrai. Bon, mais cela dit, on ne fait, enfin, en tout cas moi, je ne fais pas des films pour tout de suite avoir 58 entrées à 9h. C'est un succès monstre, 58 entrées. Oui. Non, dans la vérité des chiffres, alors, parce qu'on est dans un pays où la banque compte, ah, on oui. est à Francfort. Francfort, voilà. C'est à dire d'une blague, mais le grand, c'est un film qui va être un succès énorme. Amélie Poulain, par exemple, je pense à ça, Amélie Poulain, dont tout le monde se demandait ce que ça allait faire. Ça avait fait 80 entrées à 9h. Oh, mon Dieu, 80! Mais c'est comme. Un truc historique. Bon, alors, écoutez, voilà. Non, il n'y a pas de recette. Non, je pense que. Non, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Non, mais c'est qu'il faut, faire les choses. Je crois que c'est Antonioni, ce grand metteur en scène italien, qui disait un scénario doit d'abord être, doit d'abord être violemment ressenti. Mm-hmm. C'est-à-dire que il faut que l'histoire qu'on a décidé de raconter. Mm-hmm. Qu'un homme a décidé de raconter, un homme ou une femme, et puis il y a beaucoup de réalisateurs femmes maintenant, et bien au moment où on le décide, et tout au long de la préparation et tout, et même du tournage, qu'on soit. Que cette histoire vous émeuve pendant une année, deux années, violemment ressentie, c'est ça. Moi, il m'arrive de. Quand certains acteurs, dans des moments très forts d'un film. Brusquement joue d'une façon auquel on n'aurait même pas pensé, tellement c'est fort. Moi, il m'arrive d'essuyer mes yeux, d'émotion. Quoi. Donc c'est plein de surprises aussi, la vie du... Pardon ? C'est plein de surprises aussi, donc, de tourner un film. Mais pendant ces 50 ans de cinéma que vous avez vécu, je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de changements aussi dans ce monde de cinéma. Qu'est-ce que vous dites entre votre premier film et maintenant le dernier film qui est sorti l'année passée ? Est-ce que c'est encore le même métier que vous faites, ou est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans la manière de faire un film, ou est-ce que vous dites... Écoutez, à la fin, c'est la même chose qu'il y a 50 ans. Il y a toujours une caméra. Ah oui, c'est évident. Non, mais il y a toujours une caméra. C'est vrai que dans le temps, c'était quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a des gens, des amis à moi d'ailleurs, qui font des films avec une caméra qui tiennent dans leur poing, hein, qu'on voit même pas. Non, mais... Non, qu'est-ce qui... Non, effectivement, la technique a évolué... extraordinairement, le son, l'image, tout la numérisation fait qu'on peut tourner à toute vitesse, dans n'importe quelle circonstance. Mm-hmm. Mais si vous voulez faire ce que j'appelle une série de... Enfin, j'appelle ça presque des tableaux. Pour moi, chaque plan d'un film est comme un tableau composé. Évidemment, il faut le préparer longuement. Écoutez, bon, je suis en train de dire des bêtises. Non, préparez bien les détails aussi. Mais ce qu'il a certainement changé pour les films pendant ces 50 ans, ce sont les budgets qu'il y a pour faire un film. Oui, oui. Donc, un film, vous venez de le dire aussi, est évalué, valorisé, surtout d'après les chiffres du premier week-end que le film sort. Le premier jour. Le premier jour même, voilà. Mais est-ce que ça change quelque chose pour la qualité du film, d'avoir beaucoup moins de budget, d'être sur la pression? Est-ce que ça change aussi l'écriture? Tout dépend des sujets, évidemment, mais c'est sûr que ce film dont on parlait tout à l'heure, Cyrano de Bergerac, que j'ai fait, ou Le Hussard sur le toit, dont vous m'avez parlé, je crois, un jour au téléphone, M. Brouwer, qui étaient des budgets très lourds, et même ce film Le Sauvage, qu'on a tourné au Venezuela, aux Antilles,
Je crois que ces budgets-là, pour un film parlant français, en langue française, ne pourraient pas être réunis aujourd'hui, quoi. Luc Besson, qui fait des films très très lourds, et d'autres d'ailleurs, mais enfin surtout Luc Besson, parce que c'est celui qui fait les films les plus chers, il les tourne en anglais. On peut pas, s'il veut rentabiliser son investissement, il est forcé de tourner en anglais. Et moi, pour moi, la langue française est au cœur au cœur de ma vie, enfin au cœur de ce que j'essaye de faire. Pourquoi vous vous tenez tellement à la langue française? Qu'est-ce que ça fait Ben, pour parce vous? que j'ai eu une éducation littéraire, parce que j'ai commencé ma vie, mon enfance dans les livres, que la télévision n'existait pas et que j'avais pas le droit d'aller au cinéma. Ce sont des années vraiment anciennes. Vous n'avez pas eu le droit d'aller au cinéma pour un Non, dans ma famille, non, on cinéaste, n'allait c'est pas au difficile. cinéma, là. Ça, D'accord. mon père disait que ça pourrit le goût. Oh. Ah ouais, alors là, Dis bon. donc, à la fin, il faut dire le père avait tort. Oui. D'ailleurs, le film que vous allez voir ce soir, autant en parler tout de suite, c'est quand même une longue histoire entre mon père et moi. Mon père n'est plus là. Et c'est ce que raconte le film, Oui, d'une manière cachée. D'une manière cachée. on va Enfin, je vous dis encore. tout de suite, la clé, c'est ça, un peu. Oui. D'accord, alors c'est déjà dit, mais on va y revenir plus Oui, tard d'accord, encore. ok, d'accord. Pour faire un peu votre connaissance en tant que réalisateur, mais aussi en tant que l'homme Jean-Paul Rappeneau, j'aimerais bien vous inviter à faire un tout petit jeu avec moi, Oui. un jeu d'association, on va dire. Je vais vous dire quelques mots-clés et vous allez me dire juste le premier mot qui vous vient à la tête. Ça vous va? D'accord, mais je reste assis. Ah oui, je joue. Ah oui. Il faut pas danser les Ah bon, réponses. Ça d'accord. va, ça va. Non, non. Le cinéma. Pardon? Le Ah oui. cinéma. Voilà. Le cinéma, mon métier. La Bourgogne. Alors, ma province. Voilà. La famille. Ma femme qui est là, voilà. Et le scénario. Alors, la clé de tout. La clé de tout. La clé de tout, oui. C'est beaucoup. Compléter Ah, quelques... pour un film. Pour un Oui. film. D'accord, on va faire les trois mots, ça va. Compléter les phrases suivantes. Il n'y a pas de succès sans... Alors. Non, bah, attendez, je ne sais pas, il n'y a pas de succès par hasard. Il n'y a pas de succès par hasard. C'est-à-dire que c'est toujours après qu'on peut expliquer le succès ou l'insuccès d'un film. On dit, ah, mais c'est parce que vous n'auriez pas dû prendre une telle, vous auriez dû prendre. Enfin, je ne sais pas si c'est une réponse. Oui, alors, continuons, mais. D'accord. Je ne suis pas très bon. On va bien continuer. Je suis pas Le très plus bon. joli moment au travail pour vous, c'est... Alors, c'est. Alors, oui, tiens, quel est le plus joli moment? Effectivement, à la fin d'une. Bon, non, je sais pas quel est le plus joli moment. C'est Il au y en a début ou à la tellement. fin d'un film? Non, à la fin d'une semaine, quand on est arrivé à faire exactement ce qui était prévu et qu'on était heureux du résultat et qu'on voit ça dans une salle. Un samedi matin, et qu'on se dit c'est pas mal quand même. Bon, enfin voilà. Mais enfin, il y a d'autres moments. D'accord, il y a beaucoup de moments Il y a avec beaucoup de plein moments. Il y de a bonheur au presque trop, travail oui. pour vous. D'accord. Dernière question, qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout au plateau de tournage? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de place? Pour l'improvisation. Pour Voilà. l'improvisation, Oui. d'accord. On va revenir sur ça parce que vous aimez bien préparer les choses. On a déjà entendu avant, vous travaillez beaucoup vos scénarios. C'est pourquoi aussi vous retournez un peu dans une sorte de, on va dire, black box mystérieux entre vos projets, entre les films. Et on va éclairer un peu qu'est-ce qui se passe pendant ces ans-là qu'on n'entend rien de Jean-Paul Rappeneau. Pourquoi vous avez ce besoin de disparaître aussi longtemps? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Oui, alors, ben, c'est-à-dire que, effectivement, il y a 50 manières de faire du cinéma, c'est sûr. Moi, je l'exerce à ma façon, mais d'autres font autrement. Moi, je n'ai jamais un film d'avance. Quand je fais un film, je n'ai aucune idée de ce que je ferai après. Quand le film
quand le film est fini, quand il sort, quand il... Je suis comme le... Comme je crois que je vous ai dit ça hier, non? Peut-être oui, je suis comme le naufragé... On a parlé avant, un petit peu. Le naufragé sur la plage. Le bateau a coulé ou il a disparu. Et je ne sais pas... je n'ai aucune idée de quel sera le prochain voyage. Donc, un film, c'est une chose qui vous rend un peu presque fou pendant une année ou deux. Ou même trois. Et on ne peut pas devenir fou toutes les semaines, moi. Ça prend beaucoup de l'énergie, c'est vrai. Certains d'entre vous pourront voir, il y a un DVD, un Blu-ray du film que nous allons voir ce soir qu'on peut trouver. Et il y a un making-of à la fin qui a été filmé pendant... Et vraiment, quand je me vois, moi, sur ce making-of filmé sans que je le sache, j'ai l'impression d'un fou. Quand les acteurs le jouent, enfin... Bon, donc il faut se réinvestir dans un projet, il faut de nouveau avoir une passion qui monte, un rêve vers une histoire, et ça... Donc je commence à adapter un livre, puis un autre, c'est un long moment de recherche avant que, là, quelquefois, une année, deux passent à toujours à travailler, à avancer sur des projets, puis finalement à les abandonner, en reprendre un autre. Mais comment vous faites pour trouver ces histoires? Parce que finalement, vous arrivez bien à trouver des histoires pour faire des films avec, mais d'où venez vos idées? Quels sont vos lieux d'inspiration? Alors, c'est vrai que pour moi, les lieux, enfin, le décor, enfin, l'endroit, ce qui sera l'ambiance du film, le lieu du film, ça compte énormément. Et souvent, ça a été le cas pour mon premier film, La vie de château. Un jour, j'ai découvert au bord de la mer, en Bretagne, une vieille maison abandonnée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dit, c'est là où je ferai mon premier film. Ah bon, mais il s'y passera quoi? Je ne sais pas. Enfin, ça se passera là. Ah bon? Et le scénario, on verra. Et le sauvage, le jour où j'ai vu une petite île comme ça, m'avait emmené au large du Brésil, au large de Santos, au Brésil, et je me dis, ça serait formidable, un Français qui vivrait dans une île, loin d'une... Enfin bon, voilà. À chaque fois, le lieu compte, et au fond, les personnages, après, dans ce lieu, je fais venir des personnages. Enfin, écoutez, chacun sa cuisine. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais on veut connaître la vôtre, justement. Et quand vous créez les personnages, justement, combien y a-t-il de l'invention et combien y a-t-il de la réalité dans vos histoires, dans les caractères, d'où vous prenez les idées pour les personnes? Je pense qu'il y a peut-être des gens qui écrivent dans cette salle, des écrivains, ou des écrivaines. Mais évidemment, toute notre vie même, les gens qu'on a rencontrés, qu'on a aimés, tout joue un rôle, et finalement, c'est un composite de tout ce qui a fait notre... Il y a des gens qui connaissent bien ma vie et qui, voyant mes films, me disent « Ah ben là, ça c'est vraiment ton... » C'est ton oncle, là? Pas du tout, non? Si, c'est ton oncle. Donc, même sans s'en rendre compte, on a ajouté des oui, choses. Oui, bien sûr. On est comme rempli comme un club sandwich de toutes les expériences de la vie. Et ça, c'est ce qui meuble les films. Quand on regarde vos films, on se rend compte aussi que les caractères féminins, souvent, ils ont des côtés sauvages, un peu fiers, même un peu rétives, et une certaine naïveté aussi. C'est qui, ce personnage féminin? Les héroïnes. Les héroïnes, à vous. Peut-être votre femme, on ne sait pas. Non, Dieu soit loué, elle n'est pas comme ça. Sinon, nous serions divorcés déjà. Mais c'est vrai que Catherine Deneuve, les deux sœurs d'ailleurs, puisqu'au départ, ça devait être Françoise d'Orléac qui devait faire ce rôle dans mon premier film, La vie de château, et finalement, c'est pas elle qui l'a fait, c'est sa sœur, Catherine Deneuve. Mais les deux sœurs avaient cette... cette vivacité, cette manière de parler rapidement, à toute vitesse, d'être jamais en place.
Et finalement, c'est par admiration, affection, amour pour ces actrices-là que finalement elles sont devenues un petit peu les héroïnes de mes autres films. Finalement, on ressemble tout un petit peu à cela, y compris celle que vous allez voir ce soir, qui s'appelle Marine Wacht, qui a cet âge-là, qu'avait Catherine Deneuve à l'époque, 24 ans. Enfin voilà quoi. Mais ce qui compte, avant tout, c'est, enfin, pour moi, il y a pas de film, enfin, il y a pas d'actrice, enfin, il y a pas de film sans la beauté des actrices. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on a aimé le cinéma quand on était gamin? Enfin, quand j'étais gamin, mais oui, je crois que c'est François Truffaut qui disait ça. Quand il était collégien, comme on a tous été. Alors, ils étaient fous de cinéma en classe, mais alors t'as vu des films? Oui, alors t'as été voir le dernier? Mais, bah oui, alors il y avait deux questions. C'était, est-ce qu'il y a de la bagarre? Alors, bah oui, il y a de la bagarre. Ah oui. Bah, et puis, alors, est-ce qu'il y a des femmes nues? Oui, il y a des femmes nues. Ah bon, alors on y va. Donc deux clés pour un bon film. Finalement, on Les a clés trouvé pour la un bon recette. film, C'est la bataille et les femmes nues. Vu qu'on parle des femmes, un point majeur pour vos films, on a parlé de ça hier aussi, c'est le moment où vous décidez qui jouera quel rôle. Donc Ah la choix des acteurs. oui, bah Quand, oui. à quel point du scénario vous décidez déjà ou vous avez déjà des idées en tête qui jouera le rôle et d'après quels principes vous faites votre choix? Oui, moi je pense qu'il faut, enfin, je ne suis pas le seul à le penser, mais que, enfin non, il y a beaucoup de gens font autrement, mais je pense qu'il faut décider ça assez tardivement. Si vous décidez dès le départ, je vais écrire pour un tel. La personnalité de l'acteur même, si vous décidez d'écrire un film pour eux, bah ça m'est arrivé d'ailleurs. Enfin, peut-être c'est mon seul petit regret. Je pense à Jean-Paul Belmondo, grand acteur français. On s'était entendu pour faire un film historique bon, qu'on a fait. Mais dès le départ, c'était, si vous écrivez pour un acteur, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous emparer des tics de l'acteur, d'ailleurs de ce que vous l'avez vu faire dans d'autres films. C'est-à-dire il arrive avec ses bagages. Donc il Donc n'y a ce n'est plus de plus une création. liberté. Oui, il n'y a plus de liberté. Ce n'est plus une création, ce n'est pas un personnage, c'est Jean-Paul Belmondo qui arrive et qui donne des coups de poing. Alors justement, il y a de la bataille. Là, Là, je il y a pense de à la Truffaut, bataille. il y a de la Voilà. bataille, dirait Truffaut. Non. Belmondo, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, vous avez toujours tourné finalement avec des stars. Quand vous avez fait le choix des acteurs, c'était des grands stars cinéma. Pourquoi Bah vous oui, préférez ça? bah de même qu'il vaut mieux que les actrices soient belles, il vaut mieux aussi faire un film, avec Gérard Depardieu qu'avec un ami qu'on me présente en disant il est très bon, il a joué à l'école et il a eu le premier prix. Bon, Donc, non, non, mieux mais assuré. non, mais c'est non, c'est idiot. Ma réponse est idiote. Non, mais par contre, je crois qu'on en a parlé hier, mais il y a un moment capital, il y a plusieurs moments capitaux dans les films, mais il y a un moment capital où on peut dire que, oui, c'est celui où vous décidez que ça sera tel acteur, enfin pour les rôles principaux, mais que tel acteur qui sera dans le film ou telle actrice, le jour du choix de cette décision, on peut dire que le film est joué, quoi. Le film ne pourra jamais être. Il est déjà là, quoi. Si vous avez. C'est Cette déjà une personne-là, dans prénaissance. ce personnage-là, après il faut travailler, il faut tout ce qu'on veut, mais enfin, en tout cas, le film est. Et quelquefois, c'est plus tard que vous dites, ah, le jour où j'ai choisi un tel, j'ai fait une erreur capitale. Ça vous Non. est arrivé souvent, non? Non, non. D'accord. Non. Je ne vais pas insister, Non, hein. non. Mais parlons de Non, non, Gérard. mais d'ailleurs, j'allais dire une erreur capitale. Non, non, quelquefois, je dis, ah, peut-être. Non, 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 mais. Parlons de Gérard Depardieu. Oui, parce que C'était. justement. C'est une erreur, non? Ah non, Ah non. ah non. Et non, j'ai justement dû beaucoup lutter à cette époque-là contre. Enfin, c'est un film on m'a dit les droits de la pièce sont libres, maintenant c'est dans le domaine public. Et c'était une grande production française, Gaumont, pour tout dire. Mais il faudrait que vous nous disiez avec qui vous voulez le faire.
Mais quand? Ben là, d'ici une heure, là. Pourquoi d'ici une heure? Ben parce qu'on doit prendre une décision ce matin. Bon. Et je sais que quand j'ai réfléchi un peu, et ça faisait un moment que je l'admirais, que j'avais envie de travailler avec lui, il a dit, mais moi, si je le fais, Cyrano, je le ferai avec Gérard Depardieu. Si je le fais. Et tout le monde a essayé de me dissuader en disant, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le rôle, il est trop gros, il est trop violent. Et non, j'avais une conviction que. Enfin, la conviction, c'est qu'il a à la fois la force du personnage de Cyrano, mais la faiblesse aussi. C'est-à-dire qu'il est comme un. Il peut être, Gérard, dans la vie même, comme un enfant perdu, quoi. Comme Cyrano quand il ose même pas prendre la main de Roxane. Donc le jour où j'ai tenu bon, j'ai dit non, ça sera lui. Bon. D'ailleurs, les producteurs en question ont finalement renoncé au film. Ce sont d'autres qui l'ont fait. On dit, oh, s'il prend Depardieu, nous, on ne le fait pas. Bon. Enfin, bon. Et quand vous... Hein? Voilà, ça Non, a mais été j'espère, Gérard Depardieu. ça va, Oui, ça va Oui, bien. bon, Ça va d'accord. très Non, bien. mais. Quand vous travaillez avec les acteurs que vous avez choisis à la fin, il y a une chose qui est très, très importante pour vous. Vous avez dit au tournage, dès que ça ne bouge pas, je m'inquiète. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? Dans la scène elle-même, Oui. ben, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin, c'est le style de film que je fais. C'est-à-dire que je crois que le mouvement est au cœur de mes films. J'aime que le film soit comme une sorte de. Oui, soit comme quelque chose qui tourne, comme quelque chose qui avance, qui tourne, qui roule, qui avance et qui est en mouvement sans cesse, qui est en mouvement. Et là, vous allez le voir encore. Là, je me demande même si j'ai pas exagéré dans le film que vous allez voir ce soir. Alors, je redis toujours la même chose. Ça vient un peu de. J'admirais beaucoup quand j'étais plus jeune des films de Max Ophüls, qui a tourné en Allemagne, mais qui a tourné en France, et qui a tourné aux États-Unis, et qui est revenu en France. Et à qui on disait, mais pourquoi vos acteurs, vos actrices, surtout, courent toujours dans vos films? Et ils répondaient, parce que j'ai remarqué qu'un acteur qui court ne peut pas être mauvais. Parce qu'il est tellement. Donc, c'est parce que j'ai appliqué. Mais un acteur qui est pris dans un mouvement, qui doit se déplacer tout en parlant, en jouant, dans un déplacement juste, eh bien, l'effort physique, pas l'effort, mais enfin, en tout cas, le corps l'empêche de réfléchir, de se dire pourquoi il se dit comme. Et donc, le naturel ne. Le naturel revient justement au galop. Le naturel Enfin, de revient au prendre le galop. moment tel qu'il est, Oui, je finalement. pense, oui. Vous parlez de Belle Famille, là aussi, qui a beaucoup de mouvements. Et l'acteur hein, qui joue le rôle principal de Jérôme, c'est Mathieu Amalric. Il a dit, travailler avec Jean-Paul, c'est un coitus interruptus en permanent. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Non, mais. Oui, alors, parce que, effectivement. Alors, non, pas en permanence, en permanence. Non, c'est vrai qu'ils étaient. Dans ce film-là, effectivement, aucun des acteurs qui jouent là, je n'avais jamais travaillé avec eux. Et justement, c'est des gens que j'admire profondément, comme Amalric, comme André Dussollier, comme Nicole Garcia, comme enfin, Karine Viard. Mais en fait, ils ne me connaissaient pas. En fait. Et moi, je les admirais. Depuis, je disais, mais enfin, un jour, il faudrait que vous tourniez et qu'on tourne ensemble. Oui. Et alors, évidemment, ce qu'ils ont compris assez vite, ça, il a dit ça peut-être, mais au début, Oui, au début, ils ont c'était au compris début. Oui. ça assez vite, c'est que le dialogue, enfin le dialogue qui a été réfléchi, écrit par moi, par d'autres, avec notamment un garçon qui s'appelle Jean-Claude Carrière, qui est un grand écrivain de cinéma, grand écrivain de théâtre, grand écrivain tout court. Et qui est un grand dialoguiste et qui vient toujours un petit peu s'occuper de ça sur mes scénarios. Et donc, où chaque mot est réfléchi, il y a une intention dans la rythmique des mots. Enfin bon, c'est pas blablabla. C'est pas n'importe quoi. Et alors, effectivement, Amalric, par exemple, et l'autre garçon qui joue dans le film, qui s'appelle Gilles Lellouche, était habitué un peu à. Et on a souvent tourné dans les films où on dit, ben,
Et qu'est-ce que je dis? Bah, tu improvises. Bah, tu dis un truc dans ce genre-là, dans ce genre-là. Mais moi, non, mais moi, s'il n'y a pas le mot exact, je dis, bah, elle est coupée. Alors, c'est là. C'est là le Il cursus parle bien interruptus. coupé. C'est le coïtus, interruptus. Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu n'as pas dit le texte. Oh, bon, c'est pareil. Non, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que pour vous compte beaucoup aussi le rythme d'un film, Ben oui, mais il y les a le bruits, rythme des mots, il y a le les rythme des mots. mots, oui. Alors, et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est dans Cyrano, où il y a les 12 pieds de Exactement. Les l'Alexandrin. vers, oui. Oui. Et là, C'est un film en quand vers. un acteur loupait un pied, j'ai coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous n'avez pas dit le. Ben non, mais le. Ben oui, vous n'avez pas dit, il manque un pied. Donc le verre est pareil. Ben, il n'y a pas de bout. Donc vous êtes un peu perfectionniste, même beaucoup sur vos scénarios, sur le lieu de tournage aussi. Qu'est-ce que ça fait à la fin? Est-ce que vous prenez quand même des changements sur place ou très peu? Alors, c'est ça. Enfin, bon, mais j'ai remarqué que c'est ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, mais le fait d'avoir très préparé, d'avoir pensé, de croire à avoir pensé à tout, toutes les possibilités pour une scène, pour trouver vraiment le meilleur moyen de décider quel sera le meilleur moyen. Mais quand, croyant avoir pensé à tout, au moment où on le tourne, à travers ce que font les acteurs, brusquement, ou une suggestion d'un technicien, arrive une idée supplémentaire auquel on n'avait pas pensé, auquel en fait on croit avoir pensé à tout, en préparant beaucoup, mais quand arrive une idée qui d'un seul coup est très bonne, ça arrive, ça arrive. Pourquoi je Quand ferais pas même. ça? Ah, mais comment ça? Mais pourquoi je tomberais pas par terre? Ah, bah oui, c'est vrai ça. Et Donc donc vous êtes ouvert pour je le ne suis moment. pas buté, donc quand l'idée qui arrive est vraiment. Vraiment apporte vraiment une innovation, une qualité de plus, ben on la prend. Cette perfection vous a donné à la femme énormément de succès pendant le long des années aussi, mais quand même, ça ne protège pas d'échecs ou des choses qui n'ont pas fonctionné comme voulu. Bien Peut-être sûr, bien il sûr. y a eu plusieurs histoires sur lesquelles vous avez travaillé, mais pendant des années, Ah et à oui. la fin, les films n'ont jamais vu le jour. Comment vous Ah avez oui. géré ça? Très mal. Et d'ailleurs, ce film de ce soir-là, je vais en faire un. J'ai travaillé pendant très longtemps sur un film qui devait une sorte de film un film d'aventure en Asie centrale, très compliqué, très cher, trop lourd. Et finalement, le film n'est pas arrivé à se tourner parce que les producteurs, enfin, il n'y avait pas le financement. Mais vous avez travaillé 5 ans là-dessus, c'est vrai. Oui, Oui. alors voilà. Donc. Mais en même temps, quelque chose de ce projet abandonné, hélas, s'est retrouvé dans ce film plus simple que vous allez voir ce soir. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis vraiment très content de pouvoir vous le présenter ici à Francfort. Donc pour la première fois en Allemagne. Pour le moment, le film n'est pas encore vendu en Allemagne. Bon, peut-être ça viendra. Mais en tout cas, et puis, y a ça, c'est parce que c'est quand même l'histoire. Et puis en plus, dans cette société franco-allemande qui nous accueille, c'est que c'est quand même l'histoire d'un expatrié. C'est un Français expatrié. C'est dès le début du film, donc c'est pas leur. Mais enfin, c'est un type qui a quitté la France il y a une quinzaine d'années et qui revient. Et qui a été vivre à Shanghai où il a créé une start-up et après c'est devenu une société financière assez importante. Et il vient en Europe pour la première fois depuis 15 ans. Il faut dire qu'il a un problème il y a un problème entre la France et lui. Et là, il revient. Et donc, il y a pas mieux que vous pour pouvoir juger de l'histoire d'un expatrié. Voilà, d'un expatrié français. Mais qui revient. Et qui revient qui revient, qui enfin, oh là là, je dis n'importe quoi. Non, mais si, parce que donc ce film-là, je l'ai fait après avoir abandonné ce projet lointain qui n'a pas pu se faire. Et d'une certaine manière, c'était aussi une manière de revenir. C'est mon retour aussi, mon retour dans le cinéma, voilà, avec ce film qui raconte l'histoire de quelqu'un qui revient chez lui, enfin dans la petite ville de province D'où il où il vient. a vécu ses premières années. Je suis Maintenant, on est parti, je déjà. suis revenu. Pardon, Voilà. je suis parti, je suis revenu.
suis parti, je suis revenu. Oui, c'est une phrase très importante de la film, oui. Oui. Exactement. Maintenant, on est déjà bien dans le film Belle Famille, qu'on va voir après. Alors, vous avez dit que jamais dans votre vie, vous aviez été autant heureux qu'à ce tournage de ce film. Celui-là, oui, ça, C'est oui. parce que ça a à voir beaucoup avec votre histoire personnelle, c'est Bah, disons qu'il est autobiographique plus, c'est un film plus personnel que que les les autres. autres, oui, à cause de cette histoire de province ancienne, comme celle dans laquelle j'ai vécu, moi. Oui, ça n'a rien à voir parce que c'est dans le Bade-Wurtemberg. Mais il y a quand même une ville allemande qui s'appelle Bad Rappenau. Oui. Oui, c'est vrai, Oui. ça existe. Et Très bien. donc c'est un, ça c'était quelque part dans le royaume des Burgondes il y a bien longtemps. Et en fait, les Burgondes sont venus, c'est eux qui ont, faut dire, créé la Bourgogne, envahi la Bourgogne. Donc il y a des Rappenau qui sont venus en Bourgogne et voilà, au fond, je suis ici, une sorte de franco-allemand, je suis chez moi aussi Voilà, là. c'est ça. C'est un cercle qui sera parfait à la fin. Donc ce film, il est autobiographique, un peu imaginaire quand même. C'est pas Oui. exactement votre vie, mais vous avez dit hier aussi que si vous pourriez jouer un rôle dans vos films, ça serait ce Jérôme-là, ça sera vous. Et il Bah, y a c'est vrai aussi. que Amalric me représente un peu, Oui. oui. Et il y a aussi non seulement ce Jérôme, mais aussi la maison de l'enfance qui joue un rôle assez important dans ce film, Ah oui. comme dans Mais votre vie là aussi. peut-être. Alors, attendez, mais je ne vais pas parler trop longtemps quand même. Mais Non, 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 mais non. on a bientôt fini, mais c'est pas Ah grave. bon, d'accord. Alors, mais non, non, il y a une chose, parce que j'ai vu dans d'autres pays, à vrai dire, que notamment en Espagne, où j'ai été récemment, merci beaucoup, qu'il y avait un peu un malentendu sur la. Peut-être c'est le choix de la maison elle-même où on a tourné, mais il se trouve donc dans cette ville de province où je suis né, qui s'appelle Auxerre en fait. Et il y avait tout un, il y avait le quartier des maisons bourgeoises, qui étaient des maisons construites au début du XXe siècle, dans les années 1900, juste avant la guerre de 14, et qui étaient un peu dans un style un peu pompeux. Briques et pierres, mais un petit peu, oui, une sorte de faux Renaissance. Et en fait, mon père, qui était un homme de la campagne, mais qui était venu en ville, et en fait avait loué une de ces maisons de Bourges. Il n'avait pas acheté, ça n'était pas à lui, mais il avait loué une de ces maisons-là. Et en fait, on était six enfants, mais et il fallait une grande maison avec un jardin. Bon, et oui, alors, enfin, alors, Et à la fin, bah, cette maison, elle n'existe plus aujourd'hui, c'est ah oui, là, ça? oui, alors, et quand mon père a disparu, le propriétaire de la maison a immédiatement coupé les arbres de du jardin, comme dans la cerisaie de Tchekhov, et détruit la maison et fait construire à la place des immeubles, du gros immeuble. Comme dans le film, d'ailleurs. Et donc, mais moi, le souvenir d'enfant que j'ai, c'était d'une maison très grande, comme souvent dans les souvenirs d'enfance, on voit les choses plus grandes. Et donc, quand j'ai choisi pour le tournage quelque chose qui évoque pour moi ce souvenir-là, j'ai choisi une grande baraque. Et des gens, après, notamment l'autre jour en Espagne, on me dit, mais alors, vous avez vécu dans un château? Ben, je dis, pas du tout, non. C'était une maison de location. Et donc, ne croyez pas que je suis le fils d'un châtelain. Non, mon père était de la campagne et mon grand-père poussait la charrue avec les bœufs. Donc Voilà. c'est l'écart entre les souvenirs d'enfance Et et c'est la l'écart entre réalité. la. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Et ce film, il y a encore autre chose qui est très important, que c'est pas seulement un film sur une famille, mais aussi un film d'infamie, de la famille Rappeneau à la fin, parce que vous avez écrit le scénario avec votre Ah, fils, mon fils, Julien, oui. et la musique, c'est Et votre la fils musique ont Martin un qui a autre fait ça. fils, c'est Voilà. Martin, oui, c'est ça. Voilà. Donc. C'est comment vous avez vécu ce travail en famille? Parce que c'est vrai que ça peut être très très beau de travailler en famille, mais je crois que aussi ici, il y a toujours des personnes qui savent aussi que ça peut être difficile Oui, aussi. levez la main, ceux qui. Non, non, Bon, non. alors. Ça reste un secret. Non. Mais pour vous, comment vous avez Non, bah, vécu ça? très. Non, mais bah, très bien, très bien. Enfin.
Moi, j'ai toujours essayé de leur dire, ne faites pas le cinéma, surtout. C'est un métier où on est très malheureux. On est assez malheureux, mais quelquefois, il y a quand même des grandes joies. Et ils ont voulu absolument le faire, malgré toutes les études qu'ils ont pu faire. Non, ils se sont retrouvés dans le cinéma. Et d'ailleurs, Julien, qui a fait le scénario, là, avec moi, vient de réaliser son premier film, qui s'appelle Rosalie Bloom. Et non, mais c'est une histoire familiale, vraiment. Mais comment peut-on imaginer quand Jean-Paul Rapneau travaille pour la première fois avec les deux fils ensemble, parce que Julien a déjà assisté à un scénario avant. Oui. C'est plutôt vous qui donnez les conseils, c'est plutôt la liberté pour les fils et... Oh oui. Ah oui. Attends, qu'est-ce que tu me dirais? Oui, voilà. On va demander après. Oui. Non, mais scénario, vous savez, les scénarios, c'est pas... Le scénario, c'est surtout... un co-scénariste, c'est vraiment quelqu'un qui est de l'autre côté de la table et avec qui vous parlez. Hein. Qui dit, oui, mais alors là, tu vois... C'est... Donc, c'est des conversations à n'en plus finir. Mm-hmm. Alors, c'était comme ça avec mon fils, c'est comme ça avec Philippe Leguet, un autre scénariste qui est... C'est comme ça avec Jean-Claude Carrière, dont je parlais tout à l'heure. Ça passe par les mots, quoi, la parole. Et s'il disait ça, ah oui, en effet. Mais alors à ce moment-là, il pourrait, ah oui, c'est ça, sauter. Oui, en effet. Donc tout le monde a bien travaillé ensemble et jeté les idées ensemble. Oui, pour c'est le brainstorming. Hein, le brainstorming oui. C'est ça. On peut voir ce film en tant que parenthèse un peu avec votre premier film, La vie de château. Il y a aussi le grand domaine, il y a l'histoire de deux familles. Il y a aussi une grande maison. Oui. Pour finir sur cette question-là, à quoi peut-on encore s'attendre dans les années prochaines? Combien d'années il faut attendre au prochain film? Alors là maintenant, ça y est, je suis rattrapé par le temps. Donc, je ne peux plus attendre. Donc, il y a déjà un projet. Il y a déjà un projet. Bon, voilà. Alors, c'est une promesse. Oui, alors, il faut signer quelque chose. Non, c'est bon. C'est justement parce que ça a été... Il y avait longtemps que je n'avais pas tourné, donc ça a été un grand plaisir, même une joie. Ça a été un tournage très, très gai, ce tournage-là. Ça a été un tel bonheur que je ne peux pas imaginer de ne pas retrouver ça très vite. Donc... On s'occupe de ça. On va finir sur ça. Merci beaucoup, monsieur Rapneau, d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, un grand merci. Et donc, nous venons d'apprendre que nous verrons une partie de vos racines à l'écran, avec une maison fidèle à vos souvenirs, et donc magnifiée. Nous vous invitons, bien sûr, à rendre visite à la terre de vos ancêtres, à Bad Trappenau. Oui. Nous avons vu que là aussi il y avait une boucle qui était très franco-allemande. La modernisation, vous disiez, très être attaché à la langue française. Je crois savoir que pour des raisons d'économie, le tournage des scènes avec public chinois, eh bien, il valait mieux être directement en Chine plutôt que dans le 13e arrondissement auquel vous aviez pensé au départ. Donc l'internationalisation vous a happé en quelque sorte également. Oui. Et le choix de Mathieu Amalric vous a convaincu. Parce que quand il a rendu, ou quand vous avez parlé la première fois du scénario, et que vous avez vu qu'il n'y avait pas une seule page, pas un seul paragraphe qui n'était à noter, vous aviez dit, visiblement, il est déjà tellement dans le sujet, c'est pour lui. Oui, pratiquement, son scénario était couvert, était devenu une Bible. Il fallait regarder comme ça pour lire tous les commentaires que chaque réplique lui... Et d'ailleurs, je n'avais pas le droit de regarder. Mais enfin, c'est quelqu'un qui s'est impliqué beaucoup dans le film, dans le personnage. Parce qu'il se rendait compte qu'il me jouait. Il m'observait. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu fais toujours comme ça. Ah bon?
Très bien. Ben vous, nous vous laissons vous découvrir encore davantage Paul Rapneau avec le film. Et je vous remercie tout particulièrement d'avoir fait le déplacement à Francfort. Et merci à Marraine de nous avoir permis de vous découvrir mieux. Merci, merci beaucoup.